deuxième étape pour devenir amie avec son ex approuvée. Mais dis-moi, comment tu as fait pour concevoir ce super croquis? Tu le sais, c'est basé sur les films d'action. Oui, mais comment? Vas-y, raconte-moi, dis-moi tout. Oui. On a pensé à un pantalon avec tout un tas de poches. Très intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces poches? Ça ne me paraît pas important pour l'élaboration du croquis. Oh, que si ça l'est. C'est important pour l'homme qui doit porter cette tenue pour comprendre qui il est. Molo. Tu te sens bien, là? T'es pas forcée de faire semblant de t'intéresser à ce que je fais, tu sais. Mais je ne fais pas semblant. Je suis sincèrement intéressée, méga intéressée. Et quelle est votre idée pour les chaussures? Bah, ça, c'est une super question, hein. On pourrait en discuter pendant des heures. D'accord, les garçons. Je vous écoute. Je suis impatiente. Ah, une fille qui sait écouter avec attention, c'est forcément une très bonne amie. Ok, vous pouvez nous laisser travailler tranquille maintenant? Ne te fais aucun souci. C'est la troisième étape qui est la plus décisive. Est-ce que tu es sûre que ta règle des trois étapes de l'amitié fonctionne vraiment? J'en suis certaine. T'as déjà vu deux ex plus chaleureux que moi et Jacques? C'est ça, l'amitié fraternelle. Je dois lui faire confiance, il n'y a pas d'autre solution. C'est nous! Vous voulez quelque chose ou vous digérez toujours votre dîner avec vos petits copains? Mais ce ne sont pas nos petits copains. Bah, dans un certain sens, si. Je voulais dire, vos petits copains aux dents longues. C'est très rigolo, ça. Je vais le mettre en tag avec la photo. Petit copain, pourquoi t'es en colère contre moi? En colère? Pourquoi je le serais? Ouais, pourquoi on le serait, franchement? Salut. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors? Je pensais à toi. Et à hier soir. C'était marrant, non? Je me suis beaucoup amusée, merci encore. Mais je t'en prie. Tu l'invites à s'asseoir avec nous? Mais ça va pas, tu veux vraiment gâcher la pause. Salut. Salut. Il vient de me proposer d'écrire un post avec lui pour officialiser notre amitié à ses followers. C'est trop gentil, non? Qu'il est romantique, ce mince. Oui. Comme vous le savez déjà, nous allons accueillir un gala extrêmement important. Et ce ne serait pas un gala digne de ce nom sans musique. L'animation de la soirée se verra confier... Moodboard. Ah. Comme l'ont proposé vos collègues des Cool Ghosts, c'est Andrew en particulier qui a décidé de céder la place à votre groupe. Merci, Andrew. Tu sais que je ferai tout pour toi. Oh, Cool Ghost. T'as compris? Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est les Cool Ghosts qui animeront la soirée. Nous sommes les meilleurs. Bravo. Allez-y, dînez avec l'ennemi, ça n'a aucune importance. Pourquoi ils ont été choisis au lieu de nous? Bah, parce que vous n'avez pas rendu à temps la chanson d'ouverture comme il fallait. Mais nous avons envoyé la vidéo. Absolument. Et étant donné que vous avez bénéficié de plus de temps pour la finir, les Cool Ghosts sont allés se plaindre au proviseur. Alors ça, c'est dégoûtant. Écœurant. Le proviseur estime que vous méritez donc une punition. Et vous nous avez pas défendu. Bianca, souviens-toi que je suis une coach. Et toi, une étudiante. T'es allée beaucoup trop loin. Je suis d'accord. T'es aussi coupable qu'elle. Vous pensiez vraiment que la guerre entre les Cool Ghosts et nous allait se terminer en dînant avec eux? On ferait mieux de trouver un thème qui plaise à Falkes. Mettons-nous au travail. Salut à tous, nous sommes Maggie et Bianca. Suivez-nous sur notre site officiel, sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Et ne manquez aucun nouvel événement. Ni aucun hashtag.